Bonjour, bonjour. Sorti avec sa femme, est-ce que ça a rajeuni quelque chose dans le couple? Bah, je dirais oui. Vous savez, bien sûr, le mariage, le bon. Mais quand on se marie, et que parce qu'on est marié et tout, c'est fini, tout est gagné. Monsieur, lui, il a mis madame à la maison. Et puis, plus de sorties, plus d'invitations. Toujours, il faut faire des gros plats à la maison. Monsieur rentre du travail, il va manger, les enfants. Madame, pareil et tout. Mais en dehors de ça, il n'y a même plus d'invitations. Avant le mariage, monsieur pouvait inviter sa fiancée au resto. Mais après le mariage, normalement, ça doit continuer. Ça doit continuer. Mais une fois qu'on est marié, on est dans les foyers, les hommes, là, c'est fini. Déjà, c'est déjà acquis. Et en même temps, ces hommes-là se plaignent. Ah, ma femme, elle se néglige, elle prend plus soin d'elle. Mais souvent, elle a besoin de sortir. Souvent, elle a besoin de changer quelque chose. Sortir un peu, ça fait du bien. Aller même dans les hôtels de luxe. Juste vous deux, monsieur et madame, les enfants sont loin de vous. Et la maison est loin de vous. Ça rajeunit quelque chose en amour. Ça réveille quelque chose entre vous deux. Juste vous deux. Mais tous les jours à la maison. Mais comment madame, elle ne va pas se laisser aller. Elle peut se laisser aller. Donc oui, sortir un peu de temps en temps avec madame, monsieur, ça rajeunit le couple. C'est ça aussi, prendre soin du couple. C'est pas le fait d'acheter que les vêtements. C'est pas le fait d'inviter les gens à la maison, faire des gros plats à chaque fois, montrer les fauteuils de la maison, la télé, des trucs de qualité. Mais les sorties là, c'est très important. Donc, je parle surtout là, mais surtout du côté des hommes. Parce que c'est les hommes qui marient et c'est eux qui aiment beaucoup clouer les femmes à la maison. Souvent, il y a certains hommes qui peuvent sortir, mais madame est toujours là. Mais en même temps, ils se plaignent. Ah, madame, quand je rentre du travail ou bien rentre là, je laisse aller. Monsieur, apprends à inviter un peu ta femme. Ça fait du bien. Souvent, des gens se moquent un peu des plans. Les plans, ils aiment aller dans les restos avec les femmes, tout ça là. Ça fait dépenser. Non! C'est parce qu'ils ont compris que bien sûr qu'on est marié, mais il faut sortir. C'est ça. Le foyer ne peut pas être une prison. Mais vers la fin, ça devient une prison pour des femmes. Parce que tu ne peux pas sortir. Puisque si ton mari ne sort pas, toi, si tu ne peux pas sortir, tu es à la maison. Apprenons à sortir un peu, ça va nous faire du bien.